Et nous sommes de retour dans notre magnifique monde. Putain. Bienvenue, on est de retour. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a? Ok, vas-y. Ah! Ah! Je crois que je l'ai pas fait au. Je l'ai pas bien fait. Non. Ok, je vais tuer. Il y a. Oh! Merde. Je crois pas que j'ai mon armure entière en plus. Putain, j'y arrive pas. On est bon. Ok, on est bon. Donc, bienvenue. On va. Ouais, on a l'armure entière. On va combattre, on va faire des fourmis aujourd'hui. On va faire des fourmis parce que je veux récupérer. Ah putain, j'ai du mal à le faire quoi. À faire des paris. Des paring là, des parés d'attaque. Non. Ok, très bien. Ça fait extrêmement mal hein, de lancer la lance. Mais oui, je veux faire donc. Des fourmis, surtout les guerrières. Pour pouvoir récupérer les mandibules qui va nous permettre de faire une nouvelle arme. Ah, donc c'est surtout après ça que je suis. Donc on va faire ça pendant un petit moment. Donc on va tuer des fourmis. Je vais pas faire ça, je vais faire ça en fait. Est-ce que une flèche ça tue les... Yes, ça le fait. Bah alors. Ah, on a tué les pucerons. On est 6 sur 6. Ah, là. La dernière fois, on a fait un épisode qui a duré un peu longtemps, mais surtout, qui a été tellement dangereux avec l'araignée loup. Donc, on a fait une araignée loup extrêmement tôt. Oh putain, je suis... Non. Ok, on n'est pas tombé. Désolé. Putain, je suis un peu empoté, je sais pas ce qui m'arrive. On va faire cuire ça. Mais ouais, je voudrais faire des fourmis aujourd'hui. Récupérer de la... Oh la vache. Hop, c'est elle qui fait tout bouger. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc au-dessus de moi. Oh la vache. On va manger ça. Donc on a des... C'est quoi ça? Tête de fourmi rouge. Ah, c'est nouveau? Yes. Peu ordinaire. Tête de fourmi ouvrière. C'est peu ordinaire ça. Ok, parfait. On va manger ça, consommer. On a de la chair aussi de fourmi. Ah oui, c'est vrai que les flèches. On va prendre des flèches. Parce honnêtement, les flèches sont cool. Pour réparer l'arc, il nous faut quoi exactement? Il nous faut juste des cordes. Donc ça va, c'est pas très compliqué. On peut en prendre 10. Comme ça, on fera des cordes si besoin. Je vais m'écarter des coffres. Comme ça, ça n'utilise pas ce que j'ai dans les coffres. Je veux faire des cordes. Grosse commande. Voilà, nickel. Voilà, on pourra réparer l'arc si jamais il casse. Let's go. Donc les fourmis, c'est par là-bas. Donc ouais, faut que j'apprenne à parer, en fait. Bien parer. Et je crois qu'on va pouvoir avoir des mutations et tout, si on arrive à bien parer. Genre comme la dernière fois, on a eu une mutation parce qu'on a combattu, on a tué même. L'araignée loup. Ça va, il n'y a que des fourmis. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, on peut faire des normales, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Ça bouge beaucoup derrière le nid. Je sais pas si c'est une araignée ou pas. C'est quoi, ça, c'est des petites. Ouais, des petites.
Il me faudrait des guerrières, j'en ai vu, mais elles sont toutes proches du... Ah, celle-là. Ah, celle-là. Ok, on en a deux. Deux solos, non. J'arrive pas à parer. Hein. Ah la vache, je suis trop lent. Je vais pas réussir à parer dans le jeu en fait. Ok, faudrait retourner la récupérer là. La retrouver. C'est celle. Je sais pas ce que ça veut dire la jauge après une fois qu'elle est pleine. Ah, ah la vache! Putain de merde. Est-ce que c'est pas la jauge du... Putain, on est fatigué. Attends une seconde. C'est bon. C'est pas la jauge du bouclier, tout simplement. Peut-être. Big Ant, Big Ant. Oh la vache, m'a repoussé et tout. Attends. Oh la vache. Ah mon dieu. On a pas de bouffe. Enfin si. Ah 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 ah. Non, ça c'est à boire. Ouais, il faut faire gaffe à notre endurance en fait. Oh la vache. Quelle merde. Ah oui, c'est compliqué hein, solo. Non! Ah non. J'ai cru qu'elle était full vie. Trois coups. Il nous faudrait vraiment... Tiens! Je sais que ça fait mal ça. Eh ben! Eh ben! C'est un peu compliqué. Hein. Faut vraiment qu'on s'améliore. Hein. Enfin, que je m'améliore. Très bien, on a eu ça. Donc on peut faire la dague. Non, pas la dague, le gourdin. Yes. Donc comme j'ai dit, le gourdin de fourmi rouge, c'est tout simplement
Ça, mais en mieux. Tout simplement. C'est niveau 2, voilà. Tout simplement. Vraiment cool. Par contre, pour le réparer, il faut... On peut pas le voir. Je crois qu'il faut une mandibule de fourmi, je crois. Donc ça, c'est un peu le problème. On va dire que c'est un peu plus rare, mais bon, c'est pas... c'est normal, quoi. Ok, parfait. Je vais regarder s'il traîne pas plus de flèches. Nickel, nickel. Il faudra un peu d'eau, de la viande. Et après, on est bon. That was refreshing. Voilà. Il nous faudrait de la sève. Il faut qu'on fasse des bandages là, de soins. Je sais plus si on avait encore de la sève ou pas. Je crois pas. Ok, nickel. Bon, ça va, ça se passe bien. Je suis content. Je suis content que les fourmis, on arrive à les faire plus ou moins, quoi. C'est pas le... Comme j'ai dit, il faut vraiment... Enfin, quand on est solo, surtout, j'imagine. Il faut vraiment apprendre à parer au bon moment. Mais bon, après, on peut le faire juste en bouclier. Bloqué, quoi. C'est pas trop grave. Par contre, pour réparer le bouclier, il faut quoi? Parce qu'il a pris cher. Ah, ça va! Ça va, ça va. Faut qu'on regarde aussi la mission. On doit sûrement avoir d'autres missions. Alors, les punaises d'eau. Tuer des punaises d'eau. Je sais pas du tout ce que c'est. On est à 700. Je voudrais bien trouver autre chose pour cuire. Ah bah tiens. Nickel. Ça c'est sûrement une fourmi qui l'a tué. Mais je crois que c'était une fourmi qui l'avait tué. Après j'ai attaqué la fourmi. Nickel. Ah, c'est une... Ok. Réparer. Très bien. Ça de côté, ça de côté. Celle-là aussi. Réparer. Très bien. Il y a un truc vachement bien qu'on peut faire aussi dans le jeu. Vu qu'il n'y a pas de serveur, en fait, ce qu'on peut faire, c'est laisser notre sauvegarde, en fait, partager notre sauvegarde sur le serveur et les gens peuvent récupérer la sauvegarde. Enfin, les gens, vos amis hein, que vous aurez invités et tout ça. Peuvent utiliser la sauvegarde et en fait jouer même si vous n'êtes pas en jeu quoi. C'est vraiment vraiment sympa. Ils ont vraiment pensé à tout quoi. Nickel. J'avais dit que je voulais faire des bandages avant d'y retourner. Ah ça va oui. C'est vrai qu'on avait récupéré quand même pas mal de sève. J'ai cru qu'on les avait utilisés les sèves en fait. Mais non. Let's go. Je voudrais en faire encore une ou deux. Avant que... Avant qu'il fasse nuit. Peut-être même une normale. Ah, celle-là, c'est une... Faut que je fasse attention à mon endurance. Là, j'ai l'impression que je joue à Dark Souls quoi. Ok, nickel. Mmh.
Nickel. Ça passe aussi comme ça. De changer de... De changer d'arme. Qu'est-ce qu'elles font là? Ah, elles attaquent quoi? Ah, elles attaquent des petits trucs, ok. Je crois qu'avec 3 attaques... Oh merde. Pourquoi elle m'attaque, elle? Ok, oui, d'accord, oui, c'est un peu con ce que je fais aussi. J'en attaque une alors qu'il y en a deux à côté. Ouais, c'est la merde. Très bien. Parfait. On a des glandes d'acide. Très bien. Manger. Bon, ça marche bien. Les fourmis de base, on peut se les faire facilement. Ça va. Après, les guerrières, on peut switcher. Genre, arme double main quand on veut taper. Puis après, bouclier quand on veut bloquer. Ça passe. Très bien. Il est quelle heure? Il est 19h. Ok, ça c'est une coccinelle. Ah, c'est une coccinelle qui combat. Ça, ça peut être sympa parce que, bon, la coccinelle, elle peut se faire tuer. Mais... mais aussi, elle peut tuer les autres et nous, on peut récupérer un peu ce qu'elle tue, quoi. Bon, par contre, il fait nuit, ça, ça m'embête. Ok, elle a défoncé des guerrières, je crois. Ouais. Putain, la fin de carnage. Oh, la vie qu'elle a. Elle est presque morte. Ça serait pas si mal qu'elle se fasse tuer, parce que du coup, on récupérait des objets intéressants d'elle aussi. Mais bon, on va pas... On va pas taper les coccinelles. Sur les coccinelles, honnêtement, elles sont super cool. Enfin, elles sont sympas déjà de base, mais elles peuvent, bah, comme là en fait, tout simplement aider à tuer des trucs. Et plus ou moins nous sauver la vie, tout simplement. Donc ouais, on tue pas les coccinelles. Après, j'imagine que plus tard on pourra, il y aura des trucs. Je pourrais récolter sur elle, mais pour le moment, pas besoin. Allez, on va dormir. Trop éveillé. 21h40, ok, ça marche. Je crois qu'on a dormi trop tard la dernière fois. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est le corbeau qui a atterri, en fait. Quand le corbeau atterrit sur... sur des trucs, là, qui... et tout ça, il fait un putain de boucan à chaque fois. C'est un peu abusé. On va mettre la hache là. Par contre... Je vois que mon armure, quand même, est un petit problème. Et par rapport au, à l'endurance, on lutte un peu quand même.
Niveau endurance, c'est un peu la merde. C'est un tout petit peu la merde. Je dois bien pouvoir swinguer plus longtemps en fait. Après, si on utilise un bouclier, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir une armure très lourde. Ah, parfait. Non, toujours pas. Presque. Qu'est-ce qu'on peut construire? Je voudrais bien construire une palette. Mais on a quoi? Parcelle de jardin. Je pense qu'on peut planter des choses, mais ce sera pour plus tard. Il faudrait ça aussi. Il faut simplement de l'argile. L'argile, c'est pas extrêmement dur à récupérer. On peut aller récupérer de l'argile la prochaine fois. Demain. Ouais, je voudrais bien faire ça. Palette de planches. Touffe d'herbe du gravillon. Touffe d'herbe, ça. Après, c'est des cordes. Après, c'est des cordes. Et après, on pourra bouger ça directement et déplacer toutes les feuilles qu'il y a dessus, en fait. C'est vachement bien. Vachement sympa, ce système. Voilà, parfait. On est bien. Donc, j'avais dit... J'ai dit peut-être argile. Donc argile, il faut une pelle. On va mettre les saucissons pour aller plus vite. Très bien. Pierre, on n'en a pas besoin. Ça, on garde. Ça, on garde. C'est quoi qui fait ce bruit là? Ok, fourmi. It's no lemon crime, but... It's better than chow down. Très bien. Alors l'argile, faut que je me rappelle où on avait vu de l'argile. Beaucoup d'argile. Je me rappelle plus exactement. Ça, c'est à moi. Je me souviens plus exactement. C'est un problème. Je crois que c'est au lac. Je crois que c'est par là, l'argile. Genre, il y en a vraiment beaucoup. Avec l'argile, on peut faire des fondations. On peut faire les machines à roues, là. On peut faire plein de trucs. Je me rends compte que j'ai pas à manger en fait. Après l'argile, c'est un peu embêtant dans le sens où il faut... faut simplement la récolter. Et basta. C'est genre, c'est pas quelque chose à faire en fait. Bon, pour moi, l'argile, j'aurais pensé qu'il faut la créer. Mais... On va cuire ça. On va peut-être cuire un troisième morceau et après on est bon. Yeah.
Ah oui, on peut changer de, oui, de d'armes en fait sur le même truc. Merde. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai perdu une des lances? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré une des lances, je crois. Bah merde. Genre, je l'ai pas récupéré ou comment ça se passe? Ah. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça. J'ai dû la perdre. On va peut-être en faire une autre. Bien. Une lance de base. Après, on pourrait faire la dalle. Non, j'ai rien dit. On peut rien faire après. À une main. La sève de nénuphar, on n'a pas non plus. Non, on n'a rien qui a une main en fait. On n'a rien de spécifique de bien qui a une main. À part la lance. Donc, on garde la lance. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma lance. Merde, je fais de la merde, désolé. Comme ça, très bien. Allez, on y va. Comme j'ai dit, on est parti pour de l'argile. C'est le but. Alors. Possiblement par là. Ah oui, il y a un hot dog là. Hot dog géant. Un peu de l'eau aussi. Tastes good. Ok. Il faut niveau 2 de hache pour couper du hot dog. Je sais pas ce que ça fait, ce que ça donne. Si c'est de la bouffe ou alors du matériau. Oh la vache. Alors, on n'est pas en terrain très très safe. Hein. Il nous faudrait ça. On n'est pas en terrain extrêmement safe, mais on est en terrain, ça va quoi. Je sais pas si ça vous aide comme description. Il y a beaucoup d'acariens là, c'est relou. Ah oui, alors là on va pas y aller, ça je me rappelle. Il y a des toiles d'araignée un peu partout. C'est pas le bon endroit en fait. Ouais, il y a des araignées là aussi. Non, c'est pas le bon endroit. Je m'y prends mal en fait. J'ai pas envie de me faire choper par une saloperie. Merde. On va passer par là-bas.
fait chier. Il y en a une qui se balade. Je crois qu'on peut aller vers le chêne, honnêtement, c'est mieux. Et après bifurquer en fait sur la droite du chêne. À l'est, je crois. Nickel. On est bon. Désolé, je parle pas trop parce que quand on est en sortie comme ça, je fais un peu attention. Ok, le phare du grand chêne. Il y a aussi ça à faire. Honnêtement, je sais pas où c'est. Apparemment, c'est pas très compliqué, il suffit juste de monter les branches du chêne et on est bon, mais ouais. Je suis pas très confiant, honnêtement. Je suis pas des masses confiant. Là, on a de la boisson à l'intérieur, je crois, ouais. Pas si mal ici. J'avance tellement lentement. Ah oui, il y a ces putains de trucs. Par où je vais passer moi du coup? Ah, on va passer de l'autre côté. Just like a fruit pounder. Quelle exploration. Le fun. Ça a l'air d'être ok. On peut faire ça, c'est pas perdu. Il y a les fourmis qui se battent. Nickel. On peut prendre des noix aussi, c'est jamais, comme j'ai dit, hein, tout ce qui est bon à prendre, c'est jamais perdu. Je crois que je peux ruisseler entre les différents outils, je crois bien, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Non, je sais pas. En tout cas, l'argile, c'est pas là-bas. Mais bon. Vu qu'on est là. Non, c'est pas ça, c'est ça. On a déjà beaucoup dans l'inventaire, ça m'embête par contre. Ça m'embête un peu. Je sais pas si je peux m'accrocher, enfin me monter là-dessus. Oh. Ouais non mais après je peux pas quoi. Faudrait essayer d'avancer en fait de ce côté-là, mais
Il y a ces saloperies là, c'est un peu relou. Having a little peek. Location marked on the map. Donc si je peux la contourner, ça serait bien. Je serais très heureux. Il est 12h en plus, il va falloir quand même un moment avancer. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Nickel. Parfait. Ouais, là-bas, elle bouge pas, tout va bien. Ok, là il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. C'était où du coup le coup de la de l'étang là où je sais plus. C'est là. Ah là il y a le bombardier. C'est où c'est que j'ai pris les épines. C'est où c'est que j'ai pris les épines. Hop, ça va. Les épines, on en a encore plein, donc ça va, c'est pas la peine. Ah merde. Gross. What is that? Ah oui, c'est leur nid, ça. Looks like a shriveled up baby's head. Or maybe Mr. Dickerson. Ça, c'est leur nid où elle est rentrée, là, la blade, ou je sais pas quoi. Là. Ah, il est là, le bombardier. Ah, du coup, ça fait de l'exploration. What's that up ahead? Là, on a un poste de recherche. Maybe that's where the signal's coming from. On a un nouveau poste de recherche, mais avec des araignées juste à côté. Ah ! C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Yes. Bon bah ça va, c'est juste à côté du poste de recherche là en fait. Ouais, on est bon, on est bon. C'est bon, on a trouvé l'argile. Ça a été un peu catastrophique pour... Enfin, on a un peu déambulé à droite à gauche, mais ça va, on l'a trouvé. Hop, 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 hop. Nickel. Pas extrêmement, comme j'ai dit encore une fois, c'est pas extrêmement safe, mais ça va. Si on reste comme ça au bord, on va pas trop vers la jungle, on va pas trop vers l'eau, ça va. Quoique peut-être l'eau, honnêtement, y a rien. Je suis pas sûr. Par contre, c'est très très long hein, à récupérer de l'argile. Extrêmement long. Inventaire plein. Lâcher, lâcher, lâcher. Ok. Honnêtement, comme j'ai dit, hein, je connais pas le jeu. Je connais quelques trucs. C'est pour ça que le deuxième épisode, honnêtement, on a accompli énormément de choses. En peu de temps. Mais... Après, ma connaissance s'étend pas vraiment plus que ce qu'on a fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'y vais lentement.
Ok, c'est la coccine. On est bon. Très bien, on en a 24. On en a 24, hein. C'est très bien. Il est quelle heure? 15h. Je pense qu'on va rentrer doucement. Très bien, en récupérer d'autres. Ah oui, là il y a plein de mouches, faut faire gaffe parce qu'elles attaquent. Ah, c'est long hein, pour récupérer de l'argile, c'est abusé quoi. Je me demande à la limite si ce serait pas si mal de se faire une base près de l'argile. Genre avoir plusieurs bases à plusieurs endroits différents par rapport aux ressources, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Alors, du coup, on rentre. On va passer par là. Okay. Par là-bas. On est bon. En fait, il y a plusieurs risques. Si on prend les chemins comme ça, qui sont un peu en creuset, là, comme ça, on voit pas trop ce qu'il y a un peu, enfin, sur les hauteurs à droite à gauche. Donc, on peut avoir des bestioles qui se baladent, genre en hauteur, et on les voit pas. Ça peut nous tomber sur la gueule, c'est chiant, évidemment. Et si, à la place, on évite ça et qu'on va dans la jungle, quand je dis la jungle, c'est genre toutes les feuilles et tout ça. Bah là du coup on a un peu le risque de pas vraiment voir ce qu'il y a dedans et de tomber nez à nez avec un truc. Ça c'est le corbeau ça. Donc ouais, ça... Oh la lance! Ah c'est ma lance, elle s'est retrouvée là. Je sais pas pourquoi elle s'est retrouvée là honnêtement. Mais... Elle s'est retrouvée là. Bah merde. Ah oui, bah ça, tiens. Damn, give me a plate of this. Je savais bien qu'on avait... On ne l'avait pas perdu, vraiment. Parfait. C'est vrai qu'on va plus vite avec ces chaussons. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Il faut juste un peu d'eau. Voilà. Ah, c'est vrai que j'ai pas assez de place en fait dans l'inventaire. Je peux pas utiliser. C'est bon. Je peux pas utiliser mon arc parce que sinon il faut ranger le bouclier. Argile. Ça c'est très bien. Très bien ce qu'on a fait. Ah, je suis content. Voilà, on a l'outil de réparation et on a les fondations. Aussi. Très très sympa. On a récupéré aussi les trucs d'asticots là, les choses d'asticots, ça c'est très bien. Et maintenant, ce que je voudrais crafter, c'était quoi? Donc on a l'outil de réparation qu'on peut faire. On a donc les supports, les fondations en argile. Les fondations en argile, ça coûte très cher en argile, je trouve. C'est 4.
pour ça, je vais le montrer. Genre ça, c'est pas très grand honnêtement je trouve. Et à chaque fois c'est 4 argiles. C'est quand même beaucoup. Par contre plus tard on peut acheter les fondations en gravillon. C'est cher ça en science brute. Hein. Mais du coup je crois que c'est plus ou moins la même taille. Et c'est 2 d'argile et 3 de pierre. Les pierres... Non tout va bien. Les pierres, c'est super simple à trouver comparé à l'argile en fait. Donc je pense que ça vaut le coup d'attendre d'avoir des fondations comme ça. Pour pas trop se faire chier à faire des allers-retours pour l'argile. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'argile? Il y a les lunettes d'asticot que je voudrais bien... Enfin l'équipement asticot peut-être. Et... C'est de l'armure moyenne. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal pour nous, en fait. Au lieu de l'armure lourde. C'est pas trop... C'est pas trop le... De différence de dégâts... De défense. Là, on a quoi? On a 15% et là, c'est 10%. Ça va, ça se tient. Honnêtement. Et ça ferait plus d'endurance. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour nous. Faut qu'on fasse un coffre en plus, parce que là on n'en peut plus. Il faut au moins un deuxième coffre. Jamais il n'y a pas énormément de restrictions pour crafter les choses. Enfin non, pour positionner les choses. Sève, coquille et feuille. Sève, coquille et feuille. Voilà. Il n'y a pas trop de restrictions dans le sens où on peut placer les choses vraiment proches les unes des autres. Donc ça c'est bien. Je sais pas si je peux vraiment faire de l'ordre dans les trucs. Si je prends ça, ça va le mettre où? Ouais, non, ça le met juste l'un après l'autre. Non, ça sert à rien, honnêtement, de mettre de l'ordre dans le coffre. Faut juste mettre les mêmes choses. Basta. Faut pas se faire chier autrement. Ça, on va le détruire. Recycler. Hop. Il me faut un peu de lumière parce que je vois que dalle. All right, Shadows. What you got now? Ah, il y a des libellules. Gonna have a look or spotted you. Lucioles, pardon. Je sais pas, je dis libellules. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai avec les. Avec les libellules. Ok, ça c'est ça. Là c'est la viande pourrie. On peut mettre les cordes ici. On peut mettre ça ici aussi. Ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a pas là-bas? Faudrait un petit coffre peut-être pour l'équipement, à la limite. Juste qu'on n'ait pas la même chose au même endroit. Ah, c'est ça rend fou un peu hein, le rangement. Mais comme j'ai dit, le rangement n'est pas vraiment nécessaire. Donc c'est bien. Et ça, alors trois cordes et du trompe. C'est un peu plus lent, honnêtement. Cet épisode est un peu plus tranquille. Voilà, très bien.
Ça, ça sera pour tout ce qui est équipement, en fait. Équipement en surplus, comme ça, je le touche pas. Ça, la batte aussi, on n'a plus besoin de la normale. C'est vrai que je vois pas pourquoi je l'ai gardée. Et on a une lance en trop aussi. Hop. Voilà, très bien. Okay. On se fait pas attaquer par une araignée machin aujourd'hui. Hein. Parce que ça, j'en ai ma claque. On a un peu trop. Ok, on n'a pas les mêmes choses dans les deux coffres. Ça marche. Très bien. Donc ces deux coffres, ça sera du rangement. Et là, c'est les armures. Ouf, parfait. Donc j'ai dit que je voulais faire, je pense, le set en asticot. Il faut du charançon. Il faut du charançon. Et je sais pas ce que fait le set complet par contre. Je sais que c'est bien pour l'endurance, le set d'asticot. C'est augmentation de l'endurance maximum, je crois. Mais je sais pas ce que fait le set complet par contre. Je l'ai jamais porté. Attendre un peu. Bah, attends, on peut couper quelques trucs. On peut couper quelques machins. La torche est morte. Après, un endroit où on pourrait se mettre qui est pas mal à chaque fois. Il y a des endroits où c'est un peu genre de la boue. Et il y a des asticots. Et la plupart du temps, c'est assez plat. Je pense que c'est un bon endroit à chaque fois. Non mais t'es sérieux là ? Parfait. Hop là. Donc ça. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Alors, endurance maximale, augmentée. Très bien. Donc ça, c'est ça à chaque fois. Endurance maximale et armure moyenne. On va dormir. Ouais, il y a des endroits en fait avec pas mal d'asticots. Je pense que les asticots, c'est pas mal parce que ça donne de l'équipement, enfin des ressources que j'utilise souvent, enfin au début. Et ça donne aussi des produits qui peuvent être utilisés pour les smoothies en fait plus tard. Donc je sais pas, je trouve que c'est un bon endroit à chaque fois. C'est pas très loin en plus. Enfin du début en tout cas, pour un endroit de début. Pareil, maintenant il me faut ça. Merde, je suis nul. Mais il la lance vachement haut, hein, j'ai l'impression, la lance. Hein. Comparé au point, hein, il la lance vachement. Veste d'asticot. Ah, mais on n'a pas besoin de... Bon, bah voilà, on a le set complet. Hop, et hop. Alors, ça on vire. Donc là, on a offensive optimisée. Réduit le temps nécessaire pour que ton endurance se régène. Régénère, pardon. Bonus d'ensemble. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Notre endurance revient plus vite.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ah putain de merde quoi. Voilà. Mutation détectée. Fourminator. 1 sur 3. Voilà, on fait voir un peu. À force de les affronter, les fourmis n'ont plus aucun secret pour vous. Et leurs entrailles non plus d'ailleurs. Malheur à celles qui oseraient se mettre sur ta route. Sur ta route. Dégâts contre fourmis. Hop là, activé. Donc on a... on est plus résistance au poison et on est dégâts contre fourmis. Nickel. On a beaucoup de choses sur nous. Non, pas vraiment ça. On va mettre ça. Alors, ce qu'on voudrait faire maintenant. Ah oui, il me faudrait du matériel, c'est pour mettre ça. À chaque fois, il me faut des branchettes et des feuilles de trèfle. Les feuilles de trèfle, c'est un peu chiant à trouver sur place, des fois. Donc, on va prendre des feuilles de trèfle sur, avec nous. Et après, on va essayer de trouver des endroits sympas à marquer sur la map. Comme ça, j'oublie pas. Je sais un peu ce que je recherche, donc... Très bien. Oh, duvet de moucheron, très bien. Avec des branchettes, très bien. Parfait. 2, 1 et 2. Branchettes, on en a plein. Enfin, les branchettes, on les trouve facilement. Ok, ça marche. Putain, m'a fait peur, okay. Ça va. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je sais plus ou moins les choses qui m'intéressent. Maintenant, il faudrait des choses de un peu plus haut niveau, en fait. Araignée là-bas, c'est pas vraiment ce que je cherche. Rub time. Je cherche le nid qu'on a vu tout à l'heure. Je sais plus exactement où il est. Ah. Je crois que je l'ai. Il est là, il est là. Ça, en fait, c'est que des fois, il y a des herbes qui repoussent et tout, et honnêtement, on reconnaît plus vraiment. Là, on voit quand même la différence. C'est là. On voit quand même la différence de course. Je veux pas dire, mais... Placer un repère personnalisé.
Alors. Putain, j'ai plus de torches. Merde. Juste à ce moment-là, j'ai plus de torches, du coup. Ah, fait chier. Il me faut de la corde et des trucs. Je vais vous montrer en fait. Le nid est blindé. Faire attention. Et elles sortent la nuit surtout. Elles sortent la nuit, donc c'est un peu dangereux. La nuit. Parfait. Torche ici. Il est quelle heure? Il est à peine 10h, ça va. Ouais. Alors, on a l'équipement entier, ouais. Donc ouais, il y a tout ça. Il y en a au moins presque une dizaine. Et sans lumière, c'est la merde. Donc ce qu'on peut faire, c'est les poules. J'ai pas le bouclier apparemment. Okay. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, par contre, j'ai un problème avec... On peut pas revenir, en fait, au bouclier. Il faut vraiment que je le mette en raccourci. Enfin, c'est pas trop grave. Enfin, après, honnêtement, je crois pas que j'ai vraiment besoin d'une lumière. Je peux le faire comme ça. C'est juste que c'est... Si jamais on me détecte, c'est la merde. Ok. J'espère qu'il n'y en a qu'une seule. On va se soigner. Elle est pas sortie. Non, elle est pas sortie. Oh 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 oh. Ok. Essaye de finir le... Merde. Voilà, on essaye de finir avec ça. Parce que ça fait... Vu que ça fait très mal, on essaye de finir avec ça. Ça marche très bien. Là, sous terre, il y a des asticots, mais pas que. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on va pas vraiment les... Faire ça.
Il y en a une autre. Chier. Une ou deux. Putain de merde. Oh la vache. Ça en met beaucoup de vie, ça. Saloperie d'acarien, la con. Ah non, c'est ça. Mais non, si, c'était un acarien. Merde, est-ce qu'elle est partie? Elle est rentrée? Comment ça se passe? Je crois qu'elle est rentrée dans le trou. On est reparti. Non, je crois que c'est le bouclier, c'est la jauge là. C'est une sorte de charge en fait. Putain de merde. Ah non, c'est quand il est plein, ça me repousse en fait. Non, j'ai compris en fait ce que c'était, d'accord. D'accord, si on fait que bloquer. Non, j'ai compris en fait comment ça marchait, c'est bon, c'est bon. C'est qu'on peut pas bloquer indéfiniment en fait. Si on est trop... si on bloque trop, après on est repoussé automatiquement. Alors fais voir. Toi, je sens que tu vas être une blague aussi. Une bonne blague. Vas-y, go. T'es ouf. Ah, ça va. C'est vraiment un asticot. Tastes good. Est-ce que toi tu vas être une blague par contre? Non, c'est un asticot, ça va. Parce qu'en fait il y a des larves dans le sol des fois. Genre là-dedans, dans leur repère là, c'est des larves la plupart du temps. Notre bouclier est pas mal abîmé, mais je crois que c'est pas très compliqué pour le réparer. Ouais, il faut juste ça. Il est quelle heure? Il est 13h. On peut encore en faire une ou deux. Si on répare le bouclier. Je sais pas où je vais là exactement. Ok. Par contre, on n'a plus de gros soins là. Et on n'a plus qu'un seul bandage. Donc si jamais ça se passe mal, bah c'est taillot. Hein. Après, c'est pas extrêmement loin de la base, donc c'est pas trop grave. Quoi. Je préférais ne pas mourir. Ah oui, tout votre équipement, en fait. Vous allez regarder votre armure et vos armes. En fait, tout ce qui est équipé, vous allez le garder. Par contre, ça va prendre... un gros dégât en fait.
Ok. Quelle heure? 14, ça va. On peut encore en faire une. Et après on sort, on rentre. Très bien. C'est bien parce qu'elle me ramène la flèche à chaque fois. Ouais, c'est plutôt cool. On rentre. J'avais pas vu aussi le bouclier, il a quand même pris... il était très proche en fait d'être plein, c'est pour ça que j'ai commencé à lancer mes lances en fait, tout simplement. J'avais pas envie d'être genre repoussé. Mais du coup c'était un peu dangereux. C'était un tout petit peu dangereux. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Là-bas. On peut remplir la gourde aussi de jus. C'est pas mal. Mais c'est tellement rare, honnêtement, le jus. Je me demande si ça vaut le coup, quoi. En tout cas, on le récolte. C'est déjà ça. Mais ouais, faut que je m'améliore pour le blocage. Puis après, je pourrais combattre avec des armes à deux mains, en fait. Tout simplement. Oh putain, c'est une coccinelle. Si ça faisait pas de bruit, normalement elle queen un peu. Je me disais, ça va, ça devrait être une coccinelle, mais il n'y avait pas de bruit, aucun bruit. Je me suis dit, oh merde, c'est peut-être pas ça en fait. Alors. Rage liquide, épée larvaire. Ça peut être peut-être mieux que notre lance. Faut voir ce que ça fait. Fais voir. Épée larvaire. Donc, on peut en faire une. Et ça fait poison. Une lame efficace fabriquée à l'aide des mandibules dentelées d'une larve capable d'empoisonner sa cible. Donc ça, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. C'est pas trop difficile à faire. Les glandes d'acide, c'est facile à récupérer des fourmis. Donc, on pourrait faire ça. Ouais, on pourrait faire ça. De toute façon, on va tout faire. On va tout faire. Épée larvaire, j'aime bien. Attends, on peut faire comme ça. Il y a mon arme à deux mains, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'utiliser à chaque fois. Je le reconnais que c'est un peu relou pour moi. Et ça aussi, on peut la lancer si on veut. Mais bon. Lancer cette épée, c'est un peu cool. Pour la réparer, je sais pas ce qu'il faut pour la réparer. Si on tapait un truc. Et le poison marche bien. Je crois que
Rien, enfin, j'en sais rien en fait, mais je pense pas qu'il y ait de l'immunité au poison. Donc dans un sens, c'est vachement bien d'avoir du poison, des attaques de poison. Qu'est-ce qu'elles attaquent? Je sais pas. Ah oui, non, mais j'ai pas de... J'ai pas de soin, rien. On va peut-être pas y aller. On va d'abord se faire du soin. Voilà un peu la vie qui descend. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Hop là. Nickel. Et fais voir. Il faut deux épines larvaires. Bon, ça c'est un peu la merde à réparer. J'avoue que ça c'est la merde à réparer. Ah, parfait. Très bien, de l'eau. Et après, on bouffe un peu. Ah oui, j'avais dit qu'on faisait du soin. Oh là, il y a tellement de trucs à faire. On a eu un jus liquide. On pourra le faire quand on aura un poste de smoothie. Je crois qu'on peut en avoir un déjà. Il faudrait peut-être qu'on se fasse une base, honnêtement. Il faudrait quand même qu'on commence à se faire une base. Vu ce qu'on peut faire. Fais voir un peu ce qu'on peut faire. Poste de smoothie, on peut en faire un, on a tout ce qu'il faut. Ça c'est très bien. Bon, les brochettes, oui. Les parcelles de jardin, non, il nous faut ça. On peut pas encore la faire. Le rouet. Rouet aussi, on peut le faire, c'est très simple, on peut en faire plusieurs. Le broyeur, non, il nous faut ça. Pour le moment, non. La cuisine, des tiges d'Adventice à chaque fois, non. Palette à planche, palette à tige, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas de tige pour le moment. Bande à pointe, ça c'est pour la défense. On peut pas le faire. Poste de forge. Je sais pas ce que c'est, poste de forge. Poste de travail utilisé pour améliorer les armes grâce à divers matériaux. Ah cool. On peut améliorer nos armes. Mais ouais, je pense qu'on va devoir déménager. Honnêtement, avant tout, on va devoir déménager. Ouais. Alors, on avait fait une base pas très loin quand j'avais joué en coop. Yuck. Ouais, très bien. Gross. Just like a fruit pounder. Parfait. Pas très loin quand j'avais joué en coop, donc ça serait. Et honnêtement, je trouvais l'endroit vraiment sympa. C'est quoi ça? Ah, c'est pas de l'argile là par terre. Tiens, c'est là le morceau d'argile, ouais. La sève. Il est là le morceau d'argile dont je parlais la dernière fois. Très bien. Je pense que pour faire la base, je vais pas vraiment le faire en vidéo parce que ça va être trop long. Et honnêtement, au début, c'est pas très intéressant parce que j'ai pas grand-chose de toute façon. Donc ça va pas ressembler à grand-chose. Mais tiens, de l'eau. Mais ça serait par là. Là exactement, je crois que c'est là, ouais, c'est là,
Ici, c'est pas mal, je trouve. Parce que bon, on est proche du liquide. Bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu parce que c'est tellement rare. Mais là, il y a des asticots tout le long, tout le temps en fait. Il y a tout le temps des asticots. Ils mettent un peu de temps à revenir, hein, mais il y en a. C'est plus ou moins plat. C'est pas trop loin du scanner pour analyser là. On va rentrer hein, parce qu'il fait nuit. C'est pas trop loin en fait des choses dont on a besoin. Donc une sorte de petite base là-bas, c'est bien, je trouve. Puis c'est le coup des asticots en fait, c'est facile. Les asticots, c'est sympa. Et comme j'ai dit, ça aide pour les smoothies, ça permet de faire des smoothies. Et même les smoothies sans. Pardon, les smoothies sans. Genre, là, je vais vous montrer. C'est un peu compliqué de vous parler de choses quand je peux pas montrer vraiment, en fait. Là, vous avez des smoothies avec augmenté, en fait, avec plein d'ingrédients différents. Donc, ça soigne et ça fait endurance. Celui-là, il fait santé max. Celui-là, il fait attaque. Là, c'est charge lourde. Et tout ça, à chaque fois, il faut un ingrédient, en fait, de base. Et l'ingrédient de base, on peut en récupérer des asticots. Et vous pouvez faire en fait des smoothies sans ça, genre un smoothie de base qui va juste soigner tout simplement. Donc je trouve ça assez sympathique en fait d'avoir ça. Donc ouais, je pense que je vais faire ma base là-bas. Tout simplement. Parfait. Donc ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là, je crois bien. Je vais voir si on peut pas manger, boire. On a quelque chose à cuire, oui. Et après, je vais commencer à faire une base, en fait. Parce que pour le moment, on n'en a pas. Donc c'est un peu un problème. Parce que, genre par exemple, je vous montre un peu les choses avant de les créer, comme ça vous savez si jamais vous jouez que ça peut vous aider, j'en sais rien. Genre comme j'ai dit par exemple les rouets, c'est simple à faire. Les ingrédients honnêtement on les a tous, on a beaucoup d'argile, de cupules on en a beaucoup, parce qu'on les a pas utilisés pour le moment. Donc on en a quelques-uns. On en a 7, donc c'est bien. Après les noix, récupérer les noix, c'est pas vraiment un problème, donc c'est pas grave. On peut aller en récupérer d'autres. C'est là. Et c'est vachement sympa parce que ça permet de faire des cordes avec une seule fibre au lieu de 2 ou 4, je sais plus. Donc ça c'est vachement bien et ça permet aussi de faire de la toile et tout. Après, on peut commencer à faire des gros rangements, hein, tout simplement, qui va vraiment nous aider, quoi. Donc ouais, on va faire ça après. Je sais pas si je vais utiliser l'argile pour faire les fondations, parce que comme j'ai dit, les fondations sont quand même très chères en argile. Je préférerais attendre ça. C'est quoi les fortifications? Un mur en planche d'herbe renforcé de tiges. D'accord, défense, ok. Ouais. Non, je préfère les fondations en gravillon. Chemin de cailloux. Rampe. Fondation. Ouais, il faudrait 2500. Faudrait faire les missions aussi. On va faire les missions. Genre les punaises d'eau, je sais pas où on en trouve. Pilleur de tombe. Derrière les racines, une tombe se dessine. Les collines à l'est. Je sais pas où c'est. Le phare du grand chêne. Ça aussi, le phare, je sais pas exactement où c'est, faudrait le faire. Les punaises, je pense que c'est où on. À côté du chêne où il y a l'étang, j'imagine. Mais ouais, on va faire ça. Moi, je vais me. Je vais me mettre
où j'ai dit, et après je vais faire ma base et on reprendra quand j'aurai fait ma base en fait. Quand j'aurai farmé un peu, on va dire. Comme ça j'aurai des choses à faire et à vous montrer. Voilà. À la prochaine, portez-vous bien.